Ah, comme là. L'ennemi a déployé un drone mosquito. Io che camper di merda. Ma vaffanculo, va. Vaffanculo, sei tuo padre. Man, ennemi déployé dans la zone. Surveillez. Zone de brouillage ennemi au-dessus. Ennemi dans la zone d'opération. Hostile a été 5 derniers, bien joué. Il me faut du gros calibre. L'urgence est sur le point d'être désactivée, profitez-en. Le gaz se déplace. Retrouvent leur cours normal. Vous étiez dans le top 25. Yo l'équipe, c'est Rocky. Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo en essayant d'utiliser le Longbow. Ça c'est la classe que j'utilisais en gameplay. Bon franchement je déconseille fortement de l'utiliser. À part si vous voulez vraiment vous amuser, changer d'arme. Je pense qu'en solo c'est vraiment pas un bon bail parce que même une mitrailleuse, même un fusil d'assaut vous lave en fait. Donc c'est assez compliqué. N'empêche que quand on regarde les stats, les dégâts dans le tir à tête 281, dégâts au tronc supérieur 210, vous pouvez tuer quand même votre adversaire en 2 ou 3 balles. Mais ça c'est de la théorie parce qu'en pratique déjà il y a un délai entre chaque balle et puis il y a un petit recul aussi et c'est surtout le délai entre chaque balle en fait qui va vous faire perdre cette théorie de pouvoir mettre en 2-3 balles, parce que les 2-3 balles, il faut voir en combien de temps vous les tirez quoi. Mais bon voilà, sinon j'ai mis le silencieux VT7 Spirit Fire, le canon Long Pro 99, le Corio Eagles 2,5, un verrou rapide pour tirer le plus rapidement possible, et puis surtout le kit donc Tyrant 762 qui permet en fait d'augmenter les dégâts mais qui du coup diminue la cadence de tir. Si vous voulez jouer cette arme, il y a un truc qui est super important à faire aussi, c'est d'aller dans vos paramètres et d'aller dans gameplay. Et c'est où, c'est là, paramètres du tir manuel, faites maintenir, comme ça vous n'avez pas besoin d'appuyer à chaque fois, parce que là pour le coup je pense qu'on appuie à chaque fois, si vous êtes sur manette ça peut être compliqué, après si vous avez un truc qui bloque votre gâchette, ça peut le faire, moi j'en ai pas, je suis sur PS5, donc c'est pour ça que j'ai mis maintenir, mais si vous avez un truc qui bloque votre gâchette ça peut le faire, si vous êtes sur souris ça peut le faire aussi, sur clavier souris, mais sinon si vous n'avez pas ce genre de truc je vous conseille de plutôt laisser sur maintenir. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.